Est-ce que là tu peux tester ma knockout power frappe? Tu veux que je te laisse taper mon menton? Si tu veux, on peut faire un sparring par exemple. Maintenant? Ouais, un petit sparring tranquille. Ouais. Tu m'envoies tout ce que t'as. Et... Non, c'est chaud, non? Chaud pour qui? Pour toi. Mais en vrai, le knockout power, je pense pas qu'on peut le déterminer quand t'es débutant. Je pense plutôt c'est quand t'es confirmé et que t'as déjà le transfert de poids, t'as tout. Ouais. Bah là, on peut déterminer si t'as le knockout power. Okay. J'ai l'impression d'être dans Naruto là. Les mecs du MMA, on en parlait, j'ai l'impression ils sont tous gentils, genre ils sont tous cool. Pourquoi c'est comme ça? Bah en vrai, dans le monde du fit game, je suis pas trop dans ce délire là et tout. Mais c'est des gars, ils sont très très musclés, et tout. Mais ça reste des gentils garçons au final, tu vois. C'est pas des gars qui ont blessé des gens. Mais nous les combattants, le nombre de fois où on est allé en entraînement, on sait qu'il y a toujours un gars plus fort que soi, tu vois. Donc on fait pas trop les malins. On est humble, tu vois ce que je veux dire. Faut pas faire une généralité, il y a des gars dans la muscu, ils sont très gentils. Non, c'est sûr, c'est sûr.